Ah, ça veut faire des sandwichs avec mon chien. C'est pas parce qu'elle a un corps en forme de knacky qu'il faut en faire un hot dog, hein. Quoique. Non mais je suis pas comestible. Et le premier qui mange mon chien, je mange sa mère. Non mais plus sérieusement, je suis vraiment à deux doigts de lui acheter un déguisement de hot dog. J'ai vu que ça existait, ça me fait beaucoup rire, donc je peux être complètement débile. À tout moment, je promène mon hot dog en laisse sans aucun problème, je veux rien savoir. En plus, ça doit lui tenir chaud, donc c'est super. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur un truc. Ça s'adresse plutôt aux gens qui ont des chiens, mais tout le monde peut donner son avis. Alors voilà, pour être honnête, j'ai toujours trouvé ça très con de mettre un manteau sur un chien. Je me suis toujours dit, c'est un animal, il a des poils, il a pas besoin de manteau. Jusqu'à ce que je vois ma petite saucisse trembler sous la pluie bretonne. D'ailleurs, les Bretons, arrêtez de mytho. J'habite en Bretagne et clairement il pleut 300 jours dans l'année, arrêtez de faire genre. Bref, là n'est pas la question, revenons-en à nos saucisses. Et la question est donc la suivante, que pensez-vous des manteaux pour chiens? Après je sais que ça dépend de la race, de l'endroit où on vit et de plein d'autres trucs, c'est normal. Mais j'avoue personnellement, j'ai complètement retourné ma chemise depuis que j'ai acheté mon chien. Mais tu sais, j'ai pas envie qu'elle ait froid, j'ai envie qu'elle ait un petit peu chaud là, qu'elle soit bien, tu vois, t'as capté. Sur ce, voici le hot dog du chien saucisse qui bizarrement me donne faim.